Salut tout le monde, c'est Never Back George et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Plymouth, la Coupe du Monde avec l'Angleterre, avec au programme aujourd'hui 8ème de finale. Je vais mettre le maillot rouge, j'ai un doute sur leur maillot là. Donc contre le Paraguay, 8ème de finale où on va jouer avec la deuxième équipe. Oh, Rico Henry peut peut-être rejouer avant la fin de la Coupe du Monde. Ça c'est pas mal, donc on va faire tourner sur ce match. Jonathan Hall et Slew ici, Donaldson et de l'autre côté Purrington qui avait été excellent. Ici, bien entendu, Bennett, hors défense, Davis, Humphreys Grant, Peter Hall, si j'arrive à aller là, voilà, Moore et Ena, avec comme capitaine, vous avez l'habitude, notre seul et unique Ena. Et donc, du coup, on est tout de suite parti pour ce 8ème de finale. Allez, j'allais dire 8ème de finale tout court, il n'y a pas de match retour, on n'est pas en Ligue des Champions, 8ème de finale de la Coupe du Monde. Donc ça se présentera comme ça, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais 8ème, ça sera les remplaçants, entre guillemets, quart les titulaires, si on y va, hein, encore une fois, demi les remplaçants et finale les titulaires. Donc voilà, donc je pense qu'on n'aura pas de meilleur buteur à la Coupe du Monde et je vous laisse avec la présentation du match. C'est parti pour ce 8ème de finale de la Coupe du Monde contre une équipe, encore une fois à notre portée, mais c'est des équipes qui peuvent nous surprendre. On l'a vu avec la République Tchèque, ils ont été très 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 bons. Donc on va pas sous-estimer un adversaire, c'est pas du tout notre genre. Après le Brésil nous ont mangé, donc clairement on n'est pas ultra dominant dans cette Coupe du Monde. Donc je peux pas être ultra confiant dans le sens où je me dis je vais la remporter facilement. Non, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, donc j'attends de voir la compo. En tout cas, encore une fois, notre compo va être bien tronquée. Voilà, avec Purrington, Donaldson qui sont logiquement plus bas et Hall, Slew qui sont plus hauts. Donc assez mal fait là pour FIFA cette compo. Et le Paraguay, du coup, Valdez. Oh là, il y a deux Valdez, Gonzalez, Benitez. Je connais pas beaucoup de joueurs du Paraguay, je vais pas vous le cacher là. Sanabria, si je connais, c'est un ancien de l'Inter, si je dis pas de bêtises. Et après, les autres, je connais pas du tout. Hein. Je connais pas du tout, mais bon, en tout cas, on est parti pour ce 8ème de finale. Slew. Akpom. Oh la vitesse d'Akpom. Oh Akpom, qu'est-ce qu'il a été bon. Qu'est-ce qu'il a été bon là-dessus, Akpom. Et son deuxième but dans cette Coupe du Monde pour son deuxième match. Akpom, il est efficace. Et là, dès le début du match, il nous permet de mener face au Paraguay. Regardez ce contrôle orienté qui fait la différence là. Il est totalement seul. Il va beaucoup plus vite. L'autre, regardez, les deux Paraguayens sont rentrés dedans. Du coup, ce qui a permis à Akpom d'être seul et de faire cette frappe croisée. Que le gardien ne peut pas arrêter. Première occasion, 10ème minute, 1-0. Akpom. Slew. Avec Jonathan Hall. Pour Bennett. Avec Akpom, oh, c'est propre. C'est propre, on joue bien là. Pour Jonathan Hall. Oh mon dieu, cette talonnade, vous l'avez vu. Oh ce génie. Slew. Avec Donaldson. Donaldson, le contrôle, il est bon. La frappe croisée repoussée pour Jonathan Hall. Et le but de Jonathan Hall. Le petit Illuminati qui vient inscrire le deuxième but. Et encore une fois, grâce à Donaldson. Donaldson qui fait une très 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 bonne Coupe du Monde. Cette frappe a été repoussée dans les pieds de Jonathan Hall. Et on marque sur notre troisième occasion.
le deuxième but déjà par le petit Jonathan Hall encore. C'est incroyable ce joueur qui n'a été, je le répète à chaque fois, pas bon à Plymouth, mais en sélection, qu'est-ce qu'il a été bon. Après, c'est pas le même positionnement, là il est en milieu offensif, pas en milieu latéral, ça joue certainement. Mais en tout cas, on mène 2-0, on est très très bien parti pour se qualifier pour les quarts. Jonathan Hall, l'interception. Oh, le tacle évité. Oh là là, mais Jonathan Hall, quel travail pour Jordan Slew. Jordan Slew. Jordan Slew et l'arrêt de Barreto. Oh, c'est dommage, ça méritait d'aller au bout cette action. Mais on est là, on est ultra dominant par rapport au match de phase de poule. Currington le centre magnifique vers Jordan Slew et le voilà. Le duo d'anciens joueurs de Plymouth, Ben Currington pour son copain Jordan Slew. Premier but en sélection pour lui. Oh, c'est beau. C'est beau là ce match. Les anciens qui sont bons, les nouveaux qui sont bons, tout le monde est bon. Oh là 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 là. Là ça fait du bien ce genre de match. Regardez ce centre de Purrington et Slew qui prend le dessus assez facilement sur son défenseur. On savait quand il était à Plymouth qu'il marquait beaucoup de la tête. C'était un bon joueur de tête, Jordan Slew. Il nous le prouve encore avec son premier but en sélection lors de la Coupe du Monde 2022. 3-0. Il a vu partir Purrington. Eh oui, il l'a vu partir dans le dos de son défenseur. Et Purrington, il est plus rapide. Oh, le tacle par derrière. Oh, le vilain tacle. Alors ça, c'est carton rouge, c'est expulsion directe, monsieur le capitaine du Paraguay. Tu vas rentrer au vestiaire immédiatement. Moi, je te le dis. Quoi? Il a pas pris de carton, c'est une blague. Mais regardez ce tacle. Non, mais c'est une blague. Il peut lui casser la jambe, là. N'importe quoi, FIFA. N'importe quoi. Oh, attention. Oh, c'est Humphreys, grand dommage, parce que là, sinon, j'aurais envoyé une pâtée. Donaldson. Oh, il a taclé dans le vent. Dommage, Purrington. Enfin, Donaldson, si t'étais resté, il t'aurait taclé, il y aurait eu penalty. Mais en tout cas, alors là, je suis archi déçu de la part de l'arbitre. Ok, je mène 3-0, donc pas besoin de les humilier. Mais le gars mérite un carton rouge. Non, mais c'est une blague, quoi, qu'il le prenne pas. Bon, en tout cas, ultra domination. Il n'y a rien à dire. 6 tirs, 6 cadrés, 0 tirs, 0 cadré. On est bien parti pour aller en quart de finale et on va y aller. First half was all England. Will this second period be as one-sided? Look at England here. He's got a chance. Bennett. Jonathan Hall. Akpom. Jonathan Hall. Can he pick someone out? Il joue avec Ben Davis. Ben Davis, le centre enroulé, il est beau pour Bennett et c'est la barre cette fois-ci. On est bon sur les centres-têtes aujourd'hui. Attention. Oh, le bon tag d'Humphreys Grant. Quelle défense d'Humphreys Grant. Derrière Valdez qui se loupe, mais belle défense d'Humphreys Grant. Bien joué le dégagement là vers Purrington. Et le contrôle en aile de pigeon de Purrington qui l'a fait totalement détruire ses défenseurs. Purrington. Purrington, la bonne passe pour Akpom, c'est repoussé, Jonathan Hall s'est repoussé. Oh là 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 là, on méritait encore un but, mais bon, on n'a pas eu beaucoup d'occasions dans cette deuxième mi-temps. Donc c'est dommage, mais bon, après on gère notre avance. Mason. Avec Akpom. Akpom. Oh, le défenseur a bien défendu. Purrington, Purrington, il mérite de mettre un but dans cette Coupe du Monde avec le boulot qu'il fait. Ah, dommage. Oh, bien joué, c'est passé. Je pensais pas qu'elle serait passée, cette passe pour Akpom. Akpom qui va la mettre à Oxford. Derris Oxford qui vient de conclure. Qui vient mettre le quatrième but à la dernière minute. Rhys Oxford, le défenseur que j'ai fait rentrer en milieu défensif parce que Bennett était fatigué. Et Akpom qui vient lui offrir un cadeau. Oxford qui vient marquer un de ses premiers buts, si ce n'est le premier, mais non, je crois qu'il en avait déjà mis avec la sélection anglaise. 4-0, ça va se terminer là-dessus. Notre match le plus abouti. Et mine de rien, avec cette équipe remplaçante, on a mis 7 buts en 2 matchs. Hein. Ils auront été très très bons offensivement, surtout dans ce match. Défensivement aussi, là, on aura été très solide. On n'a pas concédé énormément d'occasions, je crois une seule. Ils ont dû avoir une seule frappe cadrée. Mais nous, 12 tirs 11 cadrés, on s'est créé des occasions. Clairement, on a été bon. Qui est homme du match? Akpom. Purrington, encore une fois, vous voyez, 9,2. Et pourtant, il n'a pas mis de but. Ah, il a fait une passe décisive.
autant pour moi. Bah oui, la passe décisive pour Slou, effectivement, qui a eu 9,1. Donc, excellent match de huitième de finale. Maintenant, il reste 3 matchs pour aller au bout de la compétition. Le quart, la demi et la finale. Alors qu'on voit que l'Allemagne a gagné 2-0 contre la Suisse. Donc, est-ce qu'on va affronter l'Allemagne ou est-ce que ça va se remettre dans un autre ordre? Parce qu'on sait jamais avec FIFA si c'est bien foutu ou pas. Donc, à voir. On va avancer, puis on verra bien. On regardera ce qui s'est passé dans les autres huitièmes de finale. Et maintenant, c'est bien l'Allemagne qu'on joue. Donc, du coup, on est vraiment dans le chapeau de droite. Le chapeau le plus faible, je trouve. Proposition de transfert pour Edwards. Non, mais j'ai pas que ça à faire. Casse-toi, mon Edwards n'est pas à vendre. Personne n'est à vendre. Hop, merci, Biao. Ciao, bonsoir. Allez, on va avancer jusqu'au 8, là. Et notre quart de finale contre l'Allemagne. Offre de transfert, mais laissez-moi, mes joueurs ne sont pas à vendre. Je regarde un peu les offres, hein. 3 millions pour Zoubir, il n'est pas à vendre. Hop, voilà, merci. Laissez-nous avancer en paix jusqu'à notre quart de finale contre la Deutsche Qualität. Donc c'est pour moi l'une des plus grosses équipes, ça va être très très compliqué de les tenir. Mais bon. On va faire notre maximum pour les éliminer. Hein, parce que moi, c'est l'équipe qui me fait le plus peur. L'Allemagne, c'est... Enfin, en vrai, hein, surtout. Mais là, dans FIFA, ça doit être la même chose. Donc, il va falloir faire très, très, très attention à cette équipe. Très, très attention. Et on va regarder, donc, du coup, les autres quarts de finale. Qui s'est qualifié dans les autres huitièmes dans notre chapeau? Il doit y avoir la Belgique, je pense, face à l'Egypte. La Belgique et le Portugal, quand même. Hein. Donc, non, le chapeau est pas si dégueu. De l'autre côté, l'Italie a éliminé le Brésil. Et l'Italie se retrouve en demi-finale. Alors là, l'Italie est extrêmement forte dans cette Coupe du Monde. Attention. Et l'Espagne a éliminé l'Argentine. Donc, on aura une demi-finale Italie-Espagne. Déjà, ça, c'est très, 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 très lourd. Et de l'autre côté... la Belgique et le Portugal ou l'Allemagne et l'Angleterre. Alors là, il n'y a pas énormément de surprises dans cette Coupe du Monde. Il n'y a que du lourd. Il n'y a que du lourd et ça, c'est kiffant. C'est kiffant et le Portugal qu'on avait déjà joué en éliminatoire. Hein. On les avait battus 2 fois. On avait terminé premier du groupe assez largement. Donc je préférerais que ça soit la Belgique, honnêtement. Mais on verra bien. Hein. On jouera contre l'équipe qu'on devra jouer et puis c'est tout. Rico Henry, je ne vais pas le prendre le risque de le faire jouer. On va faire jouer Mason. On va le mettre sur le banc dans le doute. Et on est parti, les gars. Pour ce quart de finale. We are at the quarterfinal stage of this year's World Cup. Everyone in the last eight has got to be considered a Allez, on va être parti pour ce quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Et on va regarder leur composition. Hein. On voit qu'il y a Boateng, Neuer, ça soit Batstuber. C'est ça, non? À moins que... Non, c'est Klostermann? Vraiment? Mustafi. Il y avait Durm derrière. Hector, Sané, Brandt. Est-ce qu'il y a Draxler qui est en attaque? J'ai hâte de voir leur compo quand même. Et ben c'est bien Klostermann. Ah, ça c'est une petite dédicace les gars. Klostermann qui est là pour ceux qui le reconnaissent. Donc volante en attaque, meilleur Brandt Sané, Kimmich Hector, Boateng, Mustafi, Klostermann, Durm, Leno. C'est du lourd. Il manque quand même Draxler, assez étonnant. J'ai pas regardé si on a pas pu voir s'il était sur le banc, je crois, j'ai pas fait gaffe. Je regarde jamais le banc de touche, je devrais regarder. Mais en tout cas, nous on va jouer avec notre équipe ce quart de finale. J'ai un peu le stress, mais bon. Allez, on y croit. Trelkeld.
Oh, bien joué la passe en petit pont pour Murphy. Murphy pour Trelkell là, il a vu dans l'axe. Oh, tchou-tchou. Oh, tchou-tchoute. L'attentat d'Edward sur Klosterman. Ouh, attention quand même, on sait jamais. Ça sera un carton jaune, mais. Il est jaune orange ce carton. Hein. J'ai fait un attentat. Excuse-moi, Klosterman, tu sais très bien que je t'aime en plus. Mais regardez cet attentat. Désolé. Armstrong. Turner. Armstrong. Avec Murphy. Murphy qui attend le bon moment pour donner à Billy Lewis. Billy Lewis. Oh, vous avez vu comme il s'est troué? Pourtant, il a 99 en finition. Regardez cette frappe. Pourquoi il fait un extérieur comme ça? Billy, on est en quart de finale de la Coupe du Monde. T'as pas le droit. Attention, attention, meilleur volant, meilleur! Clark qui fait l'arrêt, attention, on n'a pas le droit de faire de petites erreurs, ça pardonne pas contre des grosses équipes comme ça. Et là, leur première occasion a failli déjà terminer au fond, attention, il joue le corner court. Meilleur qui joue derrière, avec Hector, c'est contré, ça va revenir avec Sané, et il est hors jeu. Murphy. Murphy bien joué vers Edwards, pour Max Turner. Max Turner le dribble. Max Turner, il est passé avec de la réussite. Max Turner, le centre. Armstrong, non, il était trop court. Attention, c'est pas fini. Lewis qui a peut-être récupéré. Non, mais c'est dommage. Là, on avait l'occasion d'ouvrir le score avec de la réussite parce que Max Turner s'est sorti d'un duel avec 3 joueurs. Et Max Turner encore justement avec Armstrong. Armstrong qui donne à Murphy. Bien joué avec Trelkell. Qui va la remettre à Murphy. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'était beau. Ah, allez, là. Regardez cette action magnifique, mais dommage, la finition n'était pas au rendez-vous. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, ça. Edwards. Turner. Murphy. Edwards. Oh, bien joué dans le trou pour Murphy. Murphy qui va aller au bout. Murphy s'est encore repoussé par Leno, mais c'est pas vrai, Leno. Lewis. Oh, mais on a 3 problèmes de finition dans ce match. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un problème de finition comme ça? Oh, celle-là, elle était belle par contre. Bien joué l'interception avec Lewis. Murphy, et là, il y a un gros contre. Il y a un gros contre avec Lewis. Edwards. Armstrong, qui était assez discret là dans cette première période et qui perd le ballon. Aïe, 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 aïe. 0 à 0 dans cette première période. C'est très, très dur. Très, très dur. Très 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 dur et j'aime ça. J'aime ça parce que là le match est très tendu. Il y a des occasions des deux côtés hein. On a vu des occasions des deux côtés mais pas de but, on a eu les plus grosses occasions. Faut être honnête. Mais on les a pas conclues et il reste une mi-temps avant les prolongations mais c'est chaud, première équipe qui marquera. Je pense que ça sera terminé. Murphy. Armstrong, le contrôle était bon. Le contrôle était bon, la frappe est belle! Mon Dieu, Leno! Oh, ça revient. Avec Trelkeld. Pourquoi pas? Armstrong. Avec Max Turner. Turner qui déborde. Il est passé. Il est passé pour Armstrong. Armstrong, mais pourquoi? Pourquoi il a pas tiré plus fort? J'ai donné toute la force que j'avais. Aïe, 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 on n'arrivera pas. Hein. On n'arrivera pas à conclure ce match. Hein. Pourtant, on a des belles occasions. Murphy, encore Leno et Boateng qui est obligé de dégager en corner. On les a, les occasions. Il nous manque juste la finition. Murphy, Turner. Oh, il est beau, le centre. Il est beau et Mason qui a devancé Oxford, lui. Ah. Murphy. Mason. Bennett. De l'autre côté, il est seul. Voilà, Turner est seul. Allez, avance, t'as le temps. T'as le temps. Bien joué. Bien joué. Oh mon Dieu, Armstrong. C'était bien tenté, ça.
Bien joué Bennett, l'interception. On est totalement en train de les manger là. On est totalement en train de les manger. Armstrong. Mais c'est pas possible, on a de la malchance de dingue. Cette fin de match, elle est totalement pour nous. Regardez là, Leno qui est sorti, Armstrong qui fait le geste parfait. Elle est juste un tout petit peu trop à côté. Donaldson. Avec Armstrong. Armstrong avec Donaldson. Allez mon grand. Allez mon grand, vas-y. Vas-y. Allez Armstrong. Armstrong. 85e minute. Ouverture du score totalement méritée. Il n'y a rien à dire. On était en train de les manger depuis un quart d'heure. Et là Donaldson qui est entré. Fait un boulot parfait en la remettant en retrait. Cette fois-ci, Armstrong ne tremble pas. Et cette frappe, Leno ne peut pas l'arrêter. 1-0, mais il reste 5 minutes. On va pas s'enflammer, mais on est bien parti pour être en demi-finale et se retrouver pour l'épisode numéro 99. Bennett. Avec Murphy. Et Murphy pour Mason là-bas. Mason. 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 Allez. Oh non. On n'a pas réussi. Armstrong. Allez, on garde le ballon. C'est tout ce qui compte. On est dans les arrêts de jeu. C'est faute. C'est faute, c'est faute. C'est faute et c'est terminé. C'est très certainement terminé. On va la décaler. C'est pour Armstrong. Armstrong. Et l'arrêt de Leno. Sur ce coup franc, on a très mal négocié, n'empêche le contre. Mais bon, c'est pas grave, on mène. Et c'est fini, c'est fini. On est officiellement en demi-finale de la Coupe du Monde. Et il y aura donc un épisode numéro 99. Sans montage, sans découpage. Un match entier, que la demi-finale. Et si on se qualifie pour la finale, il y aura l'épisode 100 samedi prochain. C'était un très très beau match, une très belle première période. En deuxième, on les a totalement fumés. Ils ont plus existé, donc on a fait la différence. Regardez, il n'y a rien à dire au niveau des stats. Qui se sort homme du match? C'est Armstrong. Donaldson avec sa passe décisive a une excellente note également. Oxford a été très bon défensivement. Oxford, il est très très lourd. Il est très 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 lourd en ce moment. Très très lourd. Donc on va avancer jusqu'à... Et bien c'est le Portugal. Jusqu'au prochain match, j'allais dire. Donc les demi-finales, c'est Italie-Espagne et Angleterre-Portugal. 4 équipes européennes. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé ça. Qu'il n'y ait pas ni le Brésil, ni l'Argentine, ni une équipe sud-américaine en demi-finale de la Coupe du Monde. Quoique la dernière, c'était peut-être arrivé. Enfin, ça arrive très rarement en tout cas. Mais là, on affrontera le Portugal, équipe qu'on connaît très très bien, qu'on a déjà affronté. On sait qu'on est capable de les battre. On sait qu'on doit les battre. On sait qu'on va les battre. Tout simplement, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. On va aller les battre. Non, Ben Davis reste à Plymouth. Désolé à la veste, même si il vous intéresse. Miyoshi n'est pas recrutable non plus. Merci, vous pouvez repartir chez vous, le PSV. Le mec vient gagner de la Ligue des Champions et vous voulez le faire venir au PSV Eindhoven. Avec tout le respect que j'ai pour vous... Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Est-ce que la première demi-finale s'est déjà jouée? Est-ce que la première demi-finale s'est déjà jouée? Je pense que l'Italie va aller en finale, je pense clairement. Et bah non, l'Espagne est en finale et regardez le parcours de l'Espagne. 4-0, 3-0, 1-0. Ils ont une défense de ouf, on va regarder ce qu'ils avaient fait en phase de poule. 3 victoires, 8 buts, 2 buts encaissés. Sur 3, 4, sur 6 matchs, ils ont pris 2 buts, ils en ont mis 8. 9, 10, 11, 12. Ils ont mis 16 buts. Ils en ont pris 2 et ils ont tout gagné. Alors là, si on va en finale, l'Espagne, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ils ont été très forts. C'est dommage parce que pour moi, l'Italie méritait. Ils ont eu un parcours très très difficile et ils s'en sont sortis magnifiquement. Donc le Portugal, enfin l'Italie méritait, mais tant pis, hein, l'Espagne les a battus, c'est qu'ils étaient meilleurs. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes dernières vidéos, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ma part en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.